Pickpocket, en fait, c'est une enquête sur les petits voleurs de porte-monnaie, les voleurs de tout acabit, petits, grands, tout ça, arracheurs de porte-monnaie, tout et tout. Voilà. Parce que là, de temps, quand j'allais faire ça sur le terrain, de temps en temps, je m'amusais à clocher les pièces, les biens de 500 là derrière. Alors, je passais souvent dans des endroits très chauds, comme l'avenue Kennedy. Mmh. Je voulais attraper quelqu'un moi, dans la poche, mais je n'ai jamais réussi. Même quand je marchais en regardant comme ça, moi, une distraction. Le bien est parti. Alors, Major, le spectacle pour participer, il faut payer 5125. Voilà la monnaie. Et à Yaoundé, 3100 francs. Bien, vous allez prévoir la monnaie. Why? I want to understand. 125 francs, 120 francs. Why all that? Bah, le problème, c'est qu'il y a des taxes sur la voie que les gens ignorent. Voilà. Nous, on veut les taxes sur la voie. On ne vient pas quand même faire un walk around là pour rien. Alors, Major. Ouais, il faut signaler au public qu'il y a des acheteurs de spectacles qui viennent de Paris et de Belgique. Et de Belgique pour regarder ce spectacle au Cameroun. Et c'était ça mon challenge, en fait. Voilà. Faire venir des acheteurs de spectacles d'ailleurs pour venir acheter un spectacle camerounais au Cameroun. Et le spectacle dure combien de temps? Le spectacle dure en fait 1h20 minutes. Oui. Mais ce que je serai obligé de faire pour satisfaire la demande des acheteurs qui arrivent, je vais passer mon blanc à moi que tout le monde réclame toujours. Oui. Et pour mon public chéri, exclusivement mon public chéri du Cameroun que j'adore, je ferai pickpocket en bonus quoi. Donc je ferai 3-4 pièces de pickpocket qu'on verra en grandeur nature évidemment en décembre dans toutes les salles au Cameroun. Mais si tu nous donnais un petit pickpocket ici, on ne dira pas non. Vérifiez vos poches d'abord, monsieur. Attention, vérifiez vos poches. Il y a plus pocket. Alors, Major, c'est là. On y va. Ma copine. Ouais. Excusez-moi de tremper ma sale gueule dans une sale histoire qui ne me regarde pas. Vous parlez de qui là? Oiseau gendarme. Le fils est né de Mangimille. Maman, je connais son grand-père. Il s'appelait Pickpocket. Mes copines, le type a été célèbre. Quand il passait ici au quartier, les gens criaient seulement « Le grand pic, le grand pic !» Et lui répondait « Pocket, 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 maman !» Souvenir, souvenir, ma copine. De son vivant, le type là avait stoppé un taxi dans lequel je me trouvais. Dès que je l'ai vu seulement entrer, j'ai crié « SOS, porte-monnaie en danger !» Ma copine, je n'avais même pas terminé de sensibiliser l'opinion publique dans le taxi que les 15 francs du vendeur d'arachide qui était assis à côté de lui avaient déjà disparu. Maman Pickpocket sourit à côté de lui. Was, il vole tes dents. Maman, quand Pickpocket passait au marché des vivres, ma copine, toi tu sais que les vendeuses de maintenant, là, elles viennent toujours avec leur bébé au marché. Et quand l'enfant veut se soulager, au lieu de l'amener aux toilettes, elle sort en plastique. Brandon, Brandon. Chie dans le plastique, mais chie pas au gros. Maman, la vendeuse a donc déposé le terrible paquet là à côté d'un tas de mangues qu'elle vendait. Pickpocket est arrivé. Ma copine. Non, arrêtez. Arrête ça. It's alright, Major. How much time did you spend to write that the sketch? Ça me prend suffisamment de temps. Ça là, celui-ci, il a pris 2 mois. Ouais. Tout le monde. Il a pris deux mois pour écrire. Ah ouais, ça va être chaud au Centre culturel français. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des contacts téléphoniques pour ceux qui veulent encore? Est-ce qu'il y a encore de place? Parce que la semaine dernière, on nous disait qu'il n'y en avait plus assez dans les 2 centres culturels à Yaoundé comme à Douala. Mais il y a quand même encore quelques places pour des retardataires. Je crois qu'il doit avoir une. Au CCF de Yaoundé, on m'a signalé quand même qu'il y a encore des places. Oui. Mais à Douala, hier, le monsieur qui s'occupe, Abraham, qui s'occupe de ce
ce volet ici. Mm-hmm. Il m'a dit qu'il restait effectivement 25 places. Voilà, 25 places disponibles. Alors, soyez les 25 prochains candidats à la tuerie de Major Astier. Sinon, on trouvera quand même une alternative pour les gens qui viendront acheter les spectacles, le billet, toujours du spectacle. Okay. Parce que je suis décidé, cette fois, il faut que tous les Camerounais rentrent dans la salle. Ouais. La fois dernière, une femme m'a dit, ma copine, on vient tout voir, on nous dit que la salle est déjà pleine. Tu n'es même plus femme. Hein. Rendez-vous au Centre culturel français vendredi prochain à Douala et à Yaoundé, c'est mercredi. Non, c'est mardi. C'est mardi, pardon. Mardi 2 novembre à Yaoundé. 3120 francs, Yaoundé. Voilà. 3120 francs. Yeah. Et à Douala, vous paierez 5125 au Centre culturel français. Passez déjà en début de semaine, cherchez vos places. Et on vous laisse avec un extrait du dernier spectacle de Major Assé au CCF. C'est un régal. Les gars m'amusaient. Maman, les gars vous font rire. Ma copine, tu as déjà vu les gars. Le gars marche comme si les chipas. Maman, il lève les épaules comme quelqu'un qui vaut 1000 euros alors qu'il ne vaut même pas un franc CFA. Mes copines. Et les gars sont chiches, maman. Hey, ma copine. Quand moi je vois un les gars qui ose encore être chiche, je me dis seulement Seigneur, Seigneur. C'est lui qui compte encore sur quoi pour séduire une femme. Les gars rendent l'affaire grave. Pour escroquer 5 francs à un gars maintenant là, blanc ou noir, mes copines, oh, il faut avoir le cerveau de Ben Laden. Maman, mes copines, je vous raconte ça. Un jour, j'ai menti à un gros noir que ma mère est morte. J'ai pensé qu'il allait me donner l'argent. Ouh, pardon, hein, le connard a débarqué avec un gros cercueil. C'était là comme ça. Elle m'a dit, ma fille, yes, you can. Maman, mes copines. Hey. Je vous dis que... Ouais. Mes copines. Maman, même les lèvres langues sont comme ça. Tu mens à celui-là que ta mère est morte. Mes copines, oh. Il débarque avec un pot de fleurs. Je partage ta peine. Pardon, hein, le lait blanc si. Je partage ta peine, je partage ta peine. Tu ne peux pas aussi partager l'argent. Mes copines. Maman, pour escroquer 5 francs à un homme maintenant, la blanc ou noir. Il faut avoir le cerveau de Ben Laden. Mais vous-même, vous savez que maintenant, c'est le football qui inspire les techniques. Hein, mes copines? C'est le football qui inspire les techniques. Donc, maman, pour contourner tout ça, j'ai inventé une technique inspirée du football. Mes copines, oh. J'escroque un vieux blanc sur Messenger. Pendant qu'un gros noir m'attend sur l'affection, j'atterris sans caleçon sur 123 points longs. Mes copines, oh, hey, 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 hey.